Bien, amis, ça c'est la deuxième partie vidéo hein, qui pourra montrer nous comment nous sommes capables de voir mandé certificat de registre de visa, ça qui nous relie duplicado. Nous allons faire même démarche. Premièrement, nous allons aller directement dans Google. Nous mettre le site PDI en ligne, qui c'est pdichile.cl. Livoyez-nous directement sur le site PDI. Nous avons fait même bagaille. Nous allons choisir le troisième, non, qui c'est Tramites. Là, nous cliquons. Nous allons chercher ce qui dit duplicado, registre de visa. Nous avons fait ça. C'est ça. Nous jouons lui et puis nous cliquons sur lui. Très bien. Il y a des conditions pour les gens capables de voir mandé papier ça. Il dit la informer les gens qui mandé papier ça par courrier électronique. Eh bien, ils recevront de lundi à vendredi de 8h à 10h. Si que ou pas faire dans laisse ça dans horaire que ou ba wa, eh bien yo pas recevoir. Eh bien ou capable voyer demande ça dans adresse électronique ça que nous pas souligner là qui c'est duplicado registro de visa @investigaciones.cl. Et puis à côté a li di wap indiquer asunto. Asunto c'est ça. Solicite duplicado registro visa. Et puis en bas, on va mettre non complet. Voilà. Et puis, on va garder les informations libres. On va voir avec toute information ça. Côté qui marque datos personnels. Qui c'est nom, prénom, nationalité, date de naissance, numéro passeport ou bien numéro carnet. Domicile qui c'est adresse. Adresse qui c'est. Oui, un numéro Kaila dans qui commune, dans qui région, ou bien dans qui ville. Type de résidence. Type de résidence, là, c'est que ou bien visa temporaire, ou bien ou souffre ta contrat, ou bien un visa étudiant. Ou mettez numéro de téléphone. Et puis tout, ou mettez adresse électronique ou en bas. Là. Dans même email, ça va vous pour mettre photo passeport. Photo canet que vous gagnez ici là ou bien n'importe l'autre pièce identification ou mettez photo visa tout et puis tout troisième nan ou mettez comprobante de transferencia bancaria qui s'allie par exemple nous on est qu'on aller dans pays on fait nous payer 800 pesos yo qu'on remettre nous un papier c'est qui comprobante ya qu'on y a puisque c'est en ligne ou à faire, il faut que vous voyez comprobante en ligne tout. Ou capable faire sur téléphone ou sur une application banque. Et ça doit vous donner là, ou capable faire. Mais ça qui me souligne, ou capable faire sur donner ça au pays là. Et vous avez une application ou capable faire en ligne. C'est lui-même qui comprobante que vous voyez tout. Si vous ne voyez pas là avec lui, eh bien, vous ne pouvez même occuper. Ça, c'est le stade théorie à qu'on y a nous aller dans le stade pratique. Là. Nous allons faire même bagarre. Nous allons aller directement sur Gmail. Nous allons aller dans ce simple là qui dit rédacteur. Nous cliquons. Nous allons suivre toutes les démarches. Ça, il dit pour nous faire. Nous allons ouvrir une fenêtre dans nous là qui dit mensage et nous allons dire en créole nouveau message. Para, c'est pour qui nous envoyer message ça. Eh bien, nous allons le voir directement pour PDI. On y a nous aller, nous allons mettre l'adresse électronique qui est by nous, qui c'est duplicado registro de visa. Nous copions et puis nous déposons. C'est une façon pour nous pas faire erreur. Et puis nous déposons. Là, il marque asunto. Il m'a dit nous asunto. Nous allons regarder qui ça peut demander dans asunto. Na asunto a, yo te mande pou nou mete solicitude
duplicado de registro de visa on y a nos copier et puis aller directement nous mettre là nous mettre tiret il demande pour nous mettre nombre completo ça veut dire non complet exemple si nous les Georges on mettre Georges signatime que c'est Paul ça c'est non complet ça me finit ça là on y a nous allons regarder qui ça lui demande pour nous faire encore on y a nous allons mettre toute information ça y est là information ça ou bien entendu me pas copier mais moi regarder pour me faire exactement Jacques que il y a il m'a dit nombres apellido nationalidad mal dit voilà marqué nombre nombres qui c'est Georges apellido qui c'est Paul lui te m'a dit regarder qui ça encore comme faire en nord lui te m'a dit nationalidad mettez nationalidad bien entendu haïtiana haïtiana l'alte m'a dit fecha de nacimiento de fecha de nacimiento par exemple sous fait 3 mars mille ou mettez 2000 regardez les informations qui lui baillent. Je vais vous demander 10 ans, mes années. Ça veut dire jour, mois, année. Là, je vais CI ou bien passeport. 4 identifications ou bien passeport. Je vais mettre le janvier. Je vais mettre CI en majuscule. Si que c'est ce qui a mettre ça veut dire numéro canet on pas besoin de lever tout pour mettre par exemple un numéro canet 25 402 401 bien entendu 560 Guillaume 6 il demande ma rapport domicilio. Dans domicilio qui c'est adresse là, m'a mettre rue en numéro à commune. M'a marqué domi silio. Dans domicilio, il m'a dit caché. Bon. Par exemple, rip amna qui est en montée automatique. Vous voyez un film, vous comprenez. Il est en montée automatique. Moi, mettez. Ça veut dire ça, c'est non RIA, ça c'est numéro 1, ça c'est commune, ça c'est région, région métropolitaine. Ça veut dire soit vivre dans la zone Santiago, vous mettez région métropolitaine. Qui ça lui demande encore? Il demande un type de résidence. Type de résidence, là, c'est visa temporaire. On mette, on marque, type de residencia. Par exemple, si c'est un visa temporaire que vous gagnez, on marque, visa temporaire. Quand ça tout sauté qu'on visa sauté ta contrat ou ta mettel qu'on y a mon continue il m'a dit numéro téléphone avec adresse électronique pardon on va regarder comment l'écrit encore téléphone de contact mais j'en ai téléphone de
contact. Par exemple, ma métropolis 569, ça son numéro de téléphone quelconque. Donc, pas le prendre, ce n'est pas le numéro. On mettait 48, 58, 73, 84. Li demandem encore correo electrónico. Mettez correo electrónico. Ou mettez même adresse électronique que vous gagnez, ça que vous voyez là-dedans. Par exemple, vous mettez pas maintenant qui c'est jones@gmail.com. Là, vous censez mettre toute information que vous demandez. Mettez toute information que vous demandez. Pour nous, là, on nous mettez le reste des détails que vous demandez. On dit pour nous, ajouter al correo. Je te demande photo passeport, photo cédula ou bien photo yon document d'identité. On fait exactement ça au Mandia. Malé là, nanti basse à côté qui dit ajouter archivos. Cliquez pour mal derrière photo passeport. Malé non fichier quelconque. Mal derrière photo passeport. Exemple. Je cherche mon photo passeport. Bon, il a donné son exemple dans nous. On va mettre n'importe photo. On va mettre n'importe photo. Comme son exemple. Bon, on va mettre ça. Mettre ça et puis il demande une photo carnet. Photo carnet. On met l'autre encore. Photo carnet. Après photo passeport, photo carnet. Qui ça le demande encore? Photo passeport, photo carnet. Il demande une photo visa qui n'a pas passeport. Toute information ça est obligatoire de mettre. On y a malé là encore. On va chercher photo passeport. Photo passeport. On y a. Non, photo visa. Excusez-moi, photo visa. On prend. Ça, c'est photo visa, moi, mettez. Qui ça le demande encore? Photo visa, il demande comprobante de transferencia. Ça veut dire reçu transfert que je fait dans la banque. Là. Bien, je vais aller mal chercher pour m'envoyer tout. Il dit que je payé pour ce processus-là. On va aller dans l'image. Je mettez comprobante. Là, mettez tout document qui vous demandé mieux. Même si nous avons ça, la maquette, registre social de vous regarder, c'est juste un exemple. Ce n'est pas un document ouvert. Mais c'est comme ça qu'on est capable de faire. C'est comme ça qu'on est capable de faire. Vous demandez toute information, vous mettez information. Après, vous mettez détail qui vous demandé, ou bien document, c'est-à-dire. Vous mettez document. Là, nous sommes censés finir. Bien entendu, c'est quatre documents. 1, 2, 3, 4. C'est photo passeport, photo carnet, photo visa avec comprobante qui dit qu'il est payé. Et puis, fini, on va cliquer là pour pouvoir voir la liste.